Les chroniques de mes coups de cœur, une émission présentée par les adhérents de la médiathèque Georges Wolinski à Fenouillet. Bonjour, alors je vais vous parler du livre Aliénor, fille de Merlin, écrit par Séverine Gauthier et illustré par Thomas Laboureau. Ce roman est de la collection Neuve et de la maison d'édition L'École des loisirs. Son père, Merlin, est magicien, mais l'éveil de la magie d'Aliénor n'a pas commencé. Un jour, son père et elle déracinent une mandragore, et c'est là que le malheur commença. Car Merlin entendit le cri de la mandragore, lui qui se croyait immunisé ne l'était pas. Résultat, Merlin est mort sous les yeux d'Aliénor. Depuis, elle a le fantôme de son père sur son dos, et il est tout à fait persuadé qu'elle peut le ramener à vie. Je vous conseille vraiment ce livre pour les personnes qui aiment les histoires féeriques ou avec de la magie, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a de la magie et des choses féeriques.